s'appelle? Le BIM. Le quoi? Le BIM? Le BIM? Building Information Modeling? Bah oui, c'est facile. Non, pas du tout. Je suis désolé. En fait, c'est un ensemble de processus de travail qui structure le projet de construction autour de la maquette numérique. Si vous voulez, en gros, vous dites qui fait quoi, à quel moment et comment. Et voilà. BIM. Je n'ai pas trop d'idées en fait. BIM. Bam. Boum. Aucune idée. Bim bam boum. Moi, ça m'évoque plein de choses, moi. Simple dark beam across the roof, I have them in my house. C'est une méthode de travail, un processus qui devient incontournable dans les agences d'architecture et au sein de la construction. C'est pas pour... Je l'ai déjà entendu. So 3D modeling and class information modeling is one of our tools for the future to work together and bring the complex information of projects together or combined in a useful way to work with this information. Il y a quand même une marque, quoi, non? Qui s'appelle BIM. C'est un magasin, je ne suis pas trop sûre. Désolée. Bonne question. Je ne sais pas, c'est un nouveau bar? Le BIM, Building Information Modeling, c'est un processus de travail collaboratif pour le secteur de la construction et qui utilise notamment une maquette numérique 3D. Et en gros, le BIM, c'est basé sur le fait de réfléchir avant d'agir. Vous n'avez pas dit de conneries, je ne sais pas. Jim BIM. Je ne sais pas, c'est malheureux ou gentiment. BIM. BIM, BIM, BIM. Ça s'écrit comment? Qu'est-ce que c'est le BIM? C'est un acronyme. Building Information Modeling. Et donc, il s'agit d'un processus collaboratif d'optimisation de la conception, de l'exécution et de la gestion des bâtiments. Et c'est en cours de développement.